Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And we'll discover in this video this expression, but then, as usual, more precisely, only one French expression, and it's an important one because it's faire la cuisine, faire la cuisine, faire la cuisine, faire la cuisine. Faire la cuisine. Okay. So here is the translation in English: faire la cuisine. And then let's see one example. Un exemple. Vous faites souvent la cuisine. So it's a question. Vous faites souvent la cuisine. Remember to raise your voice a little bit at the end. Vous faites souvent la cuisine. Vous faites souvent la cuisine. Vous faites souvent la cuisine. OK, so let's see how you will conjugate this expression at different tenses. And I thought it might be interesting to put the negative form for a change because it is, I mean, can be tricky to make, you know, this negative form. So that's the reason why. So we will see only negative forms. Ils ne feront pas la cuisine. And this is the future simple. Ils ne feront pas la cuisine. And then conditionnel passé. Uh, sorry. Conditionnel présent. Il ne ferait pas la cuisine. Il ne ferait pas la cuisine. So one more time, it's conditionnel présent, okay? Ils ne vont pas faire la cuisine. And this is le futur proche. Ils ne vont pas faire la cuisine. And then, subjonctif présent, qu'ils ne fasse pas la cuisine qu'ils ne fassent pas la cuisine. Okay so one more time. Futur simple, it's ils ne feront pas la cuisine. Conditionnel présent, ils ne feraient pas la cuisine. futur proche, ils ne vont pas faire la cuisine. Subjonctif présent, qu'ils ne fassent pas la cuisine. Okay. So let's see now the past tenses. Passé composé, ils n'ont pas fait la cuisine. Then imparfait, ils ne faisaient pas la cuisine. Passé récent, ils ne viennent pas de faire la cuisine. And then, plus que parfait, ils n'avaient pas fait la cuisine. OK? So, one more time. Passé composé, ils n'ont pas fait la cuisine. Imparfait, ils ne faisaient pas la cuisine. Passé récent, ils ne viennent pas de faire la cuisine. Plus que parfait, ils n'avaient pas fait la cuisine. Au revoir et à bientôt